J'aime ma famille, j'aime le travail que je fais et donc je me donne à fond pour les deux. Elles vont à l'école, elles acquièrent un niveau de formation plus ou moins élevé et en même temps, il y a des principes sociaux, des principes traditionnels, des principes religieux, des principes culturels qui voudraient dans une large mesure que la femme s'occupe de travaux domestiques. Pour moi, c'est le modèle typique de la femme. Je ne dirais pas parfaite, mais exemplaire. Je suis femme, professeure à l'université, mère, ainsi de suite. Il faut reconnaître que c'est parfois lourd à porter. Ça a des incidences sur notre vie de famille. Safia a toujours été une femme engagée, déterminée, motivée. Depuis notre temps d'enfance, je me souviens qu'à chaque fois qu'elle veut faire quelque chose, elle s'y donne à fond. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'a pas de maîtresse? Je n'en sais rien. Respect à toutes ces femmes qui s'oublient, se sacrifient pour leur famille. Respect à toutes ces femmes actives en quête de stabilité sociale. Respect à toutes ces femmes qui ont compris que la vie repose sur elles. Respect à toutes ces femmes qui pleurent toute la nuit et ressemblent à une princesse la journée.